Bonjour, bonsoir tout le monde. Une salutation très spéciale et nous porter bonne nouvelle. Vous songez bien, nous te dire lorsque il y a une actualisation sur Emily FX Receivership, nous t'a fort connaît, n'a pas accompagné dans le processus là. C'est peut-être ça aujourd'hui, nous venons parler de Town Hall ou bien présentation qui était faite mercredi qui s'est passé là, qui était 7 septembre. Jodi a, nou pral pale de gran pwen ki te devlope nan prezentasyon sa. Nou pral pale de distribusyon, l'ajan, ki jan yap komanse distribuye l'ajan, ki tip de kontak ap komanse fet, ki jan Emily FX ap fonksyone, tout sa yo se gran pwen resive a devlope, ki les li defini kom yon user ou bien yon membre Emily FX, sa di ki moun ki ka jwen l'ajan, peut-être ou te ka gen kòd nan Emily FX, mais dépend des gens ou même ou te bay kòd la ou gen doit pa ka jwenn. L'argent Emily FX te ramase combien te ye? Ki statut financier receiver actuellement là, combien l'argent receivership la gen nan men? Receivership la gen plus que 153 millions de dollars plus intérêt d'après ça le dit. Dépenses. Dans dépenses, qu'est-ce que ça veut dire? Receivership là, c'est toute une organisation, une institution qui gagne pile monde qui travaille avec. Côté au jeune corps pour y payer tête, y parler de ça tout. Y parler des websites là, y ont parti dans website là qui a habilité le 12 septembre, ça veut dire semaine ça capine là. C'est dans parti ça où on va commencer par information. Et puis il répond question, il vraiment une belle présentation. Moi féliciter receiver maintenant qu'on y a là pendant m'a bon quelques secondes pour abonner dans vidéo pour subscribe pour abonner dans channel YouTube non pour joindre toute update nouvelle bail concernant tout pas n'a et do dans processus là n'a mettre link n'a mettre link dans vidéo ça tout pour sous besoin regarder tout contenu et présentation qui était faite là. N'a mettre link qui j'en pour entrer dans website Emily FX là tout et abonner like partager puis gagne égoïste partager parce que quantité moun yo pral collecter aller au fin pral bon temps qui établi les au fin et recevoir quantité moun ça peut-être un monde qui rete derrière ou tout derrière. Maintenant abonner like partager pendant ce temps nous pral bon yon 5 minutes plus ou moins pour tendre yon résumé des présentations receiver à te faire et puis les fini n'a retourner encore pour nous détailler tout ça qui nous trouvait qui essentiel. My name is David Castleman and I am the court appointed receiver for Emily FX. An independent fiduciary, I report to the court, not to the parties. My job is to preserve and administer the assets of Emily FX. In February of this year, Mr. Alexander pled guilty to one count of commodities fraud in connection with the operation of E-mini FX. Many of you are aware that in that matter, Mr. Alexander was sentenced to 9 years in federal prison and ordered to pay restitution. And my office is coordinating with the Department of Justice on restitution issues. Unfortunately, as I will explain, the investment returns that appeared in your Emily FX dashboard were not real. The balance displayed on the dashboard was not actually reflected in assets that were in Emily FX. What was remaining when I was appointed was only a third of the dashboard balances. So all that was left was some, but not all, of the millions of dollars that were contributed by the users, by the members. There were no profits, no positive returns on investments. My initial goal was to preserve the value of E-mini FX by getting all the assets and the money under our control and into safe interest-bearing accounts. That process is largely complete. And we now have over $153 million in insured bank accounts earning over 3% interest. Now,
My primary goal is to get what money we can back to ImmunityFX users and other people impacted by the ImmunityFX scheme. I do expect to be able to return a significant amount of funds that users contributed to ImmunityFX. So although I do expect to return a significant amount at this stage, however, I cannot promise anyone exactly how much they will get. The timing of future distributions is also uncertain at this time. All of these distribution issues will be the subject of a future motion to the court. What I can say now is that a distribution to ImmunityFX users and other claimants is my top priority. A little later in this town hall, I'm going to touch on the court-approved transaction verification process as we are bringing the ImmunityFX user portal online next week. Stretto may also send you emails from time to time. You have probably seen some already. When you get one, I'd ask you to open it, read it, and follow any instructions in that email. We will also periodically use emails to remind you of upcoming deadlines. With what I mean by an ImmunityFX user, I mean someone who created a username or an account on the ImmunityFX system and who deposited money or cryptocurrency such as Bitcoin, or who withdrew money or cryptocurrency. Let's now turn to the portal. As some of you may have seen, on August 29th, the court approved our motion to begin the transaction verification and claims process. We are expecting to launch our ImmunityFX user portal on or about September 12th. We have a lot of information on what users contributed and what users withdrew. We've looked at bank records, cryptocurrency exchange records, and ImmunityFX internal data to come up with a preliminary transaction list for around 100,000 transactions. The user portal is going to allow users to confirm the transactions we have attributed to them based on the data that we have. It is also going to allow users to add transactions, correct transaction details, and to let us know if any of their transactions also included funds for other ImmunityFX users. Our next town hall will focus on that user portal. For now, I'd ask that all users make sure to review the email from Stretto about the portal, which users should receive around the middle of next week. So they don't have it yet, but it should come next week. That email will also have instructions for how to log on to the portal, and we'll post a link to the portal on the website. Bref, ça veut dire que les notes des vidéos, des présentations, nous vraiment dit que c'est une présentation bien professionnelle côté citoyen, il expliquait de A à Z, les bails y ont vraiment y ont plan qui détaillé. De qui ça est mené, fait que ça fait, ou même qui ça est venu arriver, découvrir et qui ça va le faire. Premier point, nous allons parler, c'est redistribution. Nous entendons bien, il dit que volonté, c'est pour le redistribuer comme il amène. Mais pour redistribuer comme là, il a besoin d'un point de contact. Vous savez, nous avons parlé ça en pile depuis le commencement. Il a besoin d'un point de contact avec tout le monde qui est dans ImmunityFX. Qui j'ai un point de contact, ça va le faire, il va le faire par moyen email. Email là, pour aller dans le website. Là. Aussitôt, il y a habilité section ça dans le website, nous-mêmes, nous avons fait disponible pour vous. Si vous pouvez faire un email, vous avez toujours une possibilité pour aller actualiser l'information. Maintenant, deuxième point nous allons parler, c'est mode de fonctionnement. Mode de fonctionnement, nous voulons parler dans Jean lui-même, lui établit l'explication. Mode de fonctionnement et ImmunityFX, Jean a fonctionné, c'est un bagage fiction. Fiction dans le sens que
pas vraiment gagné et yon réalité ou bien yon relation entre investissement, bénéfice et redistribution des bénéfices tant que j'en te vle faire quoi là. Et receiver a dit que tout numéro moun et mini FX qu'on a gardé dans l'ordinateur, c'est numéro qui pas réel. C'est très important pour nous comprendre. Troisième élément, c'est user. On user, nous devons dire membre, moun qui appartient à mini FX. D'après receiver, si l'argent qu'on mette dans mini FX, ou pas créer un compte pour te bon username, pour te bon password, pour te qu'on entraîne mini FX, l'offre entraîne mini FX pour exécuter une transaction, pour li ou pas yon membre, ou pas yon user. Seul si ou gen l'autre moyen pour vérifier ou bien pour prouver ou te kon baye di la Alexandre l'argent direct, ou bien te kon baye un balil, ou bien te kon mette l'on banque, faut gen évidence nan mon. Sou pa gen ou pas yon membre mini FX, ou ne doit pas participer dans la redistribution qu'a fait là. Quatrième point, c'est l'argent éminé FX ramassé. Combien qu'on oublie? Plusieurs centaines de millions de dollars. Et pas si l'argent. Nous sommes, je l'ai fait mettre mes souhaits, dit Alexis, tu as parlé de 59 millions. Ça a été dit, là, tu as pour nous dire. C'est des centaines de millions de dollars. Et dit Alexandre, ramassé dans le même monde, dans centaines de millions, ça a eu un pile, ou pas qu'on est côté au passé. Tellement pas qu'on est côté au passé, receiver chip la gagne amène 153 millions seulement dans plusieurs centaines de millions. Ça. Receiver chip la li explique qui j'en fait arriver 153 millions. Ça. Li prend sa tenant banque, sa tenant crypto, sa tenant l'autre type de actif, li liquide, li pour réunir l'argent. Mais ça veut dire que la communauté haïtienne, pratiquement, elle prend beaucoup. Non mais Emini FX. Pour qui ça nous donne beaucoup? Parce que si Emini FX qui t'a opéré par fondateur Eddie Alexandre, Eddie Alexandre admet que c'est pas un sérieux qui a réglé, pour qui ça on nous oblige faire une communauté ça? Des centaines de millions pour ramasser dans le monde qui t'a couler de l'eau pour faire beurre et puis regardez Jean l'argent passer des centaines de millions ou pas même connaît des monde qui ne doit pas joindre rien des monde qui joindre mais des monde penser on va mettre toute sorte joindre des monde penser on va joindre toute sorte mettre dans mini FX. L'autre point nous va discuter avec on a fait vidéo ça très courte parce que objectif vidéo c'est pour nous montrer et qui point qui est important receiver chip là les développer. Troisième, sixième point, c'est dépenses. Tant qu'on a dit, Emini FX, c'est une institution. Il paye tête, il faut payer les gens qui travaillent pour lui, les techniciens qui travaillent pour lui, les technologues qui travaillent pour lui, les professionnels dans plusieurs domaines qui travaillent pour lui. Il paye. Mais on voit qui est très important, il paye jusqu'à présent, il paye tête, il paye, il fait payroll. Jusqu'à présent, il a intérêt l'argent produit. Ça veut dire que c'est une bonne nouvelle. Maintenant, et pour nous y en a privé dans la partie qui est plus important, c'est la partie qui est plus important. Septième point. Quelle est la section website là, disponible pour nous commencer à mettre information? Il dit 12 septembre. 12 septembre, c'est mardi qui est venu là. Ça veut dire 12 septembre, pour nous dire, nous, ma veille website là, pour nous, ma pété, nous veille, ma le 12 septembre, le garder sur le website Mini FX là. Aussitôt, moi, information ça disponible. M'a regardé qui ça a demandé là-dedans et m'a fait une autre présentation pour moi expliquer nous. C'est peut-être ça me dit nous abonner puis gagnons faire égoïste partager information ça parce que les m'attend des quantités monde quantité transaction ici là je l'ai dit qui fait sous page et mini FX là ça veut dire que gagner monde si tout le monde qui regarde des vidéos t'es abonné t'es like. Nous avons temps pour nous faire plus de contenu pour nous dans le domaine ça. Les 3000 personnes regardent des vidéos. Il va même gagner 3000 personnes regardent des vidéos. Dans 3000 personnes, nous va même gagner 200 personnes qui like ou 200 personnes qui abonnent. Comme je vous dis, nous n'avons pas aimé le travail là. Mais depuis que regardez, c'est que vous appréciez quand même. Mais nous faisons plus que regarder. Bah, pèsez petit bouton like là, ça seulement. Les bons et puis abonnez. Ok. Nous finissons pour après qui est essentiel.
De 8e à 11e, c'est une question, et vous avez pour vous avec question que vous posez. Q&A, c'est question, question and answer. Il y a une question, le receiver la répondre, il dit, quitte, il m'a dit, dans quitte temps la balle l'argent, il dit pas bon temps pour ça. Pas bon temps qui est établi, parce que actuellement là, vous allez établir pour vous comprendre combien membres et mini FX gagnent, qui habilité pour vous recevoir et apprécier. Pour qui ça dit pas un timing, c'est parce que tout, il a gagné tout ça qu'a fait faire dans le tribunal. Il n'y a pas qu'à prendre décision pour contre pour vous dire qu'il y a bali sans juge là, pas autorisé. Nous songez bien que pour Emini FX, alors oui, si vous chip Emini FX là, pour l'été prendre décision pour l'habilité section, ça dans le website là, c'est juge là qui était autorisé. Vous avez la première vidéo nous avons fait pour nous dire ce et juge là qui était autorisé. Ta présentation ça le fait là, qui c'est Town Hall là, lié avec demande avec l'autre juge la Tebali. Pour le faire maintenant, les fait, les dit le 12 septembre, l'app disponible. Dixième élément, combien l'argent? Il y a qui m'a posé une question, combien l'argent? Les pas connaît combien l'argent, tout parce que vous avez là, les fin de combien l'argent, yo même yo gagné. Combien, combien l'argent, yo gagné, combien moun qui habilité. Il appartient à Emini FX cap joint l'argent. Pour analyser combien l'argent mon a te mette. Pour analyser dans l'argent ça mon a te mette à combien il te prend. Son processus qui est très complexe lié. C'est le fin fait toute analyse ça yo, tout calcul ça y a déterminé un tel te met 10 000 et puis un tel là les deux mon yon doit mettre 10 000 ou mettre 10 000 on l'autre on met 10 000. Ou même vous mettez 10 000, les abats vous avez 2 000, l'autre vous mettez 10 000, les abats vous avez 3 000. Ça veut dire que si vous avez fait retrait déjà, vous avez pris l'argent déjà, parce que vous avez mal mentionné tout, vous avez pile millions de dollars de retrait qui fait. Ça, c'est l'autre dossier n'a pas sur lui. Parce que ça a été crié là-dedans. Il y a une question que vous avez demandé ici, l'argent que vous avez recevé, les abats, c'est la balle intérêt. Ça, c'est catégoriquement non. Il dit le pape baye à intérêt parce que même il n'y a pas tap investi comme pour le monde, il a seulement mette l'argent en côté pour le baye à intérêt, c'est plus ou moins pour l'argent pas perdu valeur. Il n'y a pas bon on bagaye à intérêt, mais les l'argent séparé, tout l'argent qui n'a même recevé à la séparé, le pape kembe 5 ou n'a aussitôt que l'argent fin séparé, recevé à li mission fini. Ok. Maintenant, l'autre bagage que j'ai besoin de nous qui parle dans 10 points ça yo. Ça m'a besoin de nous qui parle dans 10 points ça yo, c'est que faut que nous comprenions bien mes amis. Lorsque nous pour faire réclamation, pas pour nous pas à mettre tête nous dans problème. Ça me dit mais pas mettre tête nous dans problème. Pas dit nous t'ai gagné ça ne pas dit nous t'ai metté ça ne pas mettre. Bien que moi résumé 10 points dans sa receivership la dia, mais receivership la dia pile l'autre bagage. Receivership la dia, même li gen transaction déjà. Li gagne transaction déjà. Raison qui fait la collecte information yo, c'est juste pour le cas établir yon authenticité, yon vérification. Tout le monde qui met comme le mini FX, tout le monde qui retire comme receiver a gagné yo déjà. Igawal prend pause ou besoin intelligent pour al douter mettre plus. Parce que qui ça va passer? On doute de mettre 1 000, yon seul 1 000, et puis on va réclamer 3 000. Vous comprenez ça va faire? Pendant que réclamer 3 000, là, recevoir chez papa, vous faire une recherche sur vous. Pour voir si c'est lui-même qui paye l'information, bien c'est vous-même qui paye l'information. On monde comme ça, qui mette, qui réclame plus, peut-être que vous êtes capable de jouer. Parce que si vous n'avez pas établi l'authenticité de ça, vous-même, vous gagnez avec ça, vous-même, vous gagnez. Bon bagage qui va marcher. Ça, c'est un bagage pour nous prendre en considération. Deuxième bagage pour nous prendre en considération, ça, c'est pas pour membres et mini FX, c'est pour monde qui t'a accompagné et dit Alexandre, dans bagage ça. Parce que si vous savez, si vous savez, a dit, il y a combien de millions de dollars qui ont été tirés. Nous pensons que nous ne pouvons pas regarder qui, nous ne pouvons pas regarder qui est tiré. Si le monde qui est tiré, c'est moun qui te vraiment appartient dans cercle fermé noyau du et dit Alexandre qui te prend l'argent ça
Puis quand on est, bah, on va aller comme ça, il doit y avoir une autre démarche qui fait, il doit y avoir une autre suivi qui fait un dossier. Eh bien, en résumé, je dis non, pas faire vidéo à longue, en résumé, gardez vidéo ça, partagez-les. L'autre semaine, aussi vite que nous joignons dernier update là, dans fort qu'on est. Si vous pouvez le système pour confirmer l'email, mettons le lien dans la vidéo ça, allez mettez-le. Si vous pouvez rejoindre un email tout, allez mettre email parce que tout bagaille a fait par email. Merci beaucoup, à la prochaine.